par exemple, le Big Bang est apparu il y a, je sais pas, il y a 13 milliards d'années, je crois qu'ils disent. Pourquoi ils disent 13 milliards? Comment ils savent que c'est 13 milliards et non pas 12 milliards ou 10 milliards? C'est Comment ils arrivent à peut-être. savoir que c'est 13 milliards? Alors, c'est peut-être avec la lumière. En astronomie, on mesure avec les rayonnements lumineux. Tu sais que, alors après, ça c'est à prendre avec des pincettes, mais tu sais qu'il y a des scientifiques suisses, ils ont réussi à capter des bruits dans l'univers qui se réfèrent au Big Bang. En gros, on entend encore les ondes du Big Bang. Parce que les scientifiques, ils te disent, quand tu regardes le ciel, tu regardes le passé. Quand tu as les yeux rivés vers le ciel, tu remontes le temps. Le soleil, il met 8 minutes pour que sa lumière vienne ici. Si le soleil il s'éteint demain, il nous faudrait 8 minutes chrono pour savoir qu'il n'y a plus de soleil. Parce que le soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre.